So thank you very much, Pierre, for inviting me here, because it's a good occasion to talk about L'Aquila earthquake, what happened after the L'Aquila, the trial, I mean, and all the things, all these bad things, and also because I think that there is a good chance that this can happen again. Yeah. Okay. In English, in low. I will speak louder. Okay. So thank you very much for this invitation. I think I will show something different from what we have seen from Professor Pichon, because he has shown something related to underestimation of long-term hazard, let's say. While the problem, I think, in Italy, what we had for the L'Aquila earthquake is a very short-term problems, and is related exactly to the last few weeks before the large earthquakes and what happened there. And I think that really the problem is that it can happen again. I will show why. A short summary of what we will see. I will show which are the conditions. I focus on three conditions that led to this story, to this readable story. And also I would like to see what happened during a trial, because during a trial, the attention moved a lot to seismology, and a lot of seismologists were called in the hearings during the trials. And so this is something else to also, we have to think about that, because you will always find in a scientific paper someone who says one thing and someone who says the opposite. So the judge has to take one or the other. It depends on what he wants to demonstrate. So the problem of how science, scientific papers, enters in a trial is a really a big problem for us. And then the consequence of the trial, what I call it the poison fruit, because we will show some example of how science researcher react to the trial and to the problem to be indicted. So this is, of course, the implication in Italy, and some discussion of what we can do as a scientist for that. Of course, we have to consider when I make this presentation that I am one of the person that have been involved and indicted for this trial. So, of course, it's my view of the story, okay? But this view is based completely on the huge, very huge documentation that is available from the earthquake. So anything I will say, you will find in the documentation. We have a website exactly for this, for all the documentation that came out for the trial. Another thing that is important to remind, and that we were accused of having caused the death of 34 people for the earthquake. 309 were the people that died during the earthquakes, but for 34 of them, we as a scientist, and not only scientists, I should say, some experts, some that belonged to some institutional commission, were indicted for 34 of them. and the other things that I've always thought about that, this story happens in a country that should be well trained about earthquakes. About 10,000 earthquakes occur each year in Italy, so people in the Apennines, it's a common experience to feel earthquakes, to face with earthquakes, and so on. Well, it seems that this story discovered a large part of the population that is ignorance, and also the public authorities are ignorant about how to face earthquakes. This also is something that came from the earthquake. I just put four images that I think they were representative of the earthquakes. The first one is this one. This is prefecture, I think it's in French. So it's the building that is mostly important during an emergency response. So it must not fall down. It must host the first headquarters for emergency governance. So it falls down. So the third problem is where they had to go, because they didn't have any places to go for the governance of the emergency. So this is a big problem. Our main place, headquarters for emergencies, are not well built to resist for not very large earthquakes. L'Aquila was a 6.1 as a magnitude. It was not 9 as in Japan. It's a 6.9.
This also, is, I think, is a symbol of the earthquake. This is, you see, there's no, one floor is missing here. Okay, so this building completely well done. But we found there's no iron in the bars. Okay, and this is almost common what we as a damage in Italy. Only 1% of the concrete building collapsed in L'Aquila. Only 1%. It's not a huge number. But the 100% of that building were either built in a wrong way, either designed wrongly, or they were maintained in a bad way. All the buildings that were built in a good way did not collapse. All the people died mainly for these reasons. Illegality in the buildings. You know, the House of Students, where 29 students died, it was a public building. It was bad built, bad design, and bad maintained. So the three causes together. Another symbol, I think it's this picture that I take in L'Aquila. Those who have very easy and low cost retrofit did make the main roof did not fall down, did not collapse. Those who were not with a very simple retrofit completely fall down. This, here, some people died. Here, nobody died. So a low-cost retrofit, I think it's one of the main outcoming of every earthquake in Italy. The last image is the trial. I'm here. This is the day of the verdict. And one thing that impressed me after when I saw this picture, that there was journalists, even behind the judge, there was a lot of pressure from the people. The expectation of the verdict was very, very high. And the trial, you see all this standing, they were the relative victims. They were very, of course, they have emotional response to anything that happened there. Okay, so this is one of the main things that happened after, as a bad consequence, as I told, more bad consequence in the title. Let's say something about the earthquake. The earthquake occurred the 6th of April 2009. It's important to fix this date, the 6th of April. The local magnitude was even less than 6. This was 5.9. And the moment magnitude was 6.1. So it's what we call moderate earthquakes. This is a problem in Italy. I was telling before at dinner to Pierre that one month ago we had a 3.6 earthquake in Ischia, and seven people died for that earthquake because of building collapse for a 3.6 earthquake. I think this is the main problem that we have in Italy. Low magnitude earthquake, as we are distributed everywhere in the territory, makes a lot of damage, even for very low magnitude. So the L'Aquila makes 309 casualties, 1,500 were injured, evacuated 65,000, and 22,000 homeless. It's rather less. How many people were sued in the trial? Seven. I will show after and who they are. Okay, this is something just say about the region of the Abruzzi. So, differently what was showing Professor Le Pichon in Japan, L'Aquila was clearly inside the highest hazard region of Italy, and he experienced also during time a lot of large earthquakes, and the first building codes dates back to 1915 after these earthquakes. So after the earthquake, we had building codes for that region. And they were very good building codes, but they were not followed by everybody. So there's quite a lot of large earthquake in the Abruzzi region, 1, 2, 3, 4. The last one, 1915, is a 6.8 and makes 33,000 casualties. So it's a very huge number of people that die for the earthquakes. It just happened here. South of L'Aquila, okay? But the number of people who died is very large in this region. So the earthquakes of 2009 happened in a region that were very well experienced by earthquake during its story. Let's see a very short
on what happened in the trial and the verdict. The crime was a multiple manslaughter and bodily harm following the strong earthquake occurred the 6th of April. The verdict was for all of us, 6 years of jail, perpetual interdiction, and the legal interdiction for 6 years, and at least 8 million of euros of refunds to victim relatives. So it was very, very huge and hard verdict after the earthquakes. Fortunately, the appeal that was made in 2014 cleared anything to most of them, 6 out of 7. One was convicted for the manslaughter. He was the vice head of civil protection. So the civil protection, at the end, is convicted after this earthquake. So there's something that we have to understand what happened, why. And after the Supreme Court, it just confirmed the appeal. For us, I mean, for the expert, we were acquittal because the crime does not exist. And because the story was then reported to what really was. Of course, when something happens, there's a lot of things also coming. So we had 2 other allegations for manslaughter, but they were thrown out after some years. And there were five civil lawsuits up to 56 million euros. And this closed on May 2017, so a few months ago. So it's incredible that when something starts, it takes a lot of time to close, to finish, and the consequences are very bad. So many, of course, in many. I should say that I've never been in jail because you have to finish the 3 degrees of judgment before you go. So the real consequence, I had no real consequence on this sense. Let's come to the reasons why this happened. So the 3 reasons that I said at the beginning. First, we are in the short term. There's a seismic sequence. We have something like 30, 35 seismic sequence swarms occurring in Italy every year. So there was occurring 3 of them in the same time. But a seismic sequence, during the seismic sequence in L'Aquila, there was also someone that was predicting earthquake. This is, I think, also that can be very common. So you have always someone who says, an earthquake is coming, I saw from radon, I see from animals, I see from the sky, from the clouds and so on. And the third point is unprepared public authorities. And this is very strange because the earthquake happened in a region where they should be well trained, but during the trial, the public authorities say that they were not at all trained about earthquakes. So the problem of preparation is one of the main outcomes of the story. These 3 may lead to panic, and panic is one of the main problems that behind L'Aquila. So people were very frightened by the swarm. Every earthquake occurring in L'Aquila, even 2.1, 2.0, as it was just behind the town, was very well felt. So people were very afraid, and they were asking, what's going to happen tomorrow? And they were very, very, very frightened, and this led to panic. Also because there is someone who was predicting. He says, tonight we will have a large earthquake. Nothing tomorrow, but be careful, keep anything behind your bed, because it may come in 2 days. So it was very terrible. So the problem was the management of a situation that could escalate into panic. So, and this is not a scientific problem at all. This is a problem of public order, it has nothing to do with science. The public authorities were unprepared, as they admit during the trial. So they were not prepared, neither about earthquakes, and I will show one example of this, and neither how to manage increasing panic in a town of 70,000 people. So the panic is incredible, because if everybody wants to leave their home, what you do? You have to put somewhere in a tent camp or wherever, but it was April, it was March, so it was still cold. So I think the one of the main problems is the lack of education to live with earthquakes. At least in Italy, I think this is very, very true. While the trial was something really linked to science,
So I discovered that scientists, researchers, are a weak point in the chain of responsibilities. And during the trial, we had 31 seismologists in the hearings, and we discussed about short-term probabilistic forecast, that now it's growing as an important measure for preparing during earthquake, that I do not, I don't think it's a good answer. What are seismic sequences and works? What do they mean? Do they mean they are, I was interested by a slide by Pierre who show a section through Istanbul with the seismicity there. There's no seismicity, he say it was probably an asperity. I believe it's true. But where there's a lot of seismicity, maybe there's some energy that is releasing that I don't believe it's true because the energy is very low. So what do they mean? We discussed about that during the years. It was incredible. We talk about precursor, known and unfaults. If I know a fault, so I know the risk of a fault. So the trial was a mess in this sense. What we knew before in the years preceding the earthquakes? This is a situation like different from Japan. We knew a lot of things. So we have from GPS a good strain field, so we know exactly the strain that was accumulating in the faults in the is accumulating in the fault in the Apennines. We had, I think, a good other map who takes into account, of course, also the geology, the faults, the seismic catalog that goes back 1,000 years before present. And we also knew that a lot of sequences and earthquakes were occurring in the Apennines. In 1984 in Gubbio, 1979 in Norcia, and Colfiorito in 1997, and so on. So all this region was affected by earthquakes. So we knew a lot of things in terms of scientific results. The monitoring is good, we have a very good network, and so on. So, but this was not enough. Not enough because you move to the short term. What happened in the month preceding the earthquake? And we don't know what to do and what to say during a very short-term period. In the month preceding the earthquakes, we had two seismic sequences. One was in L'Aquila, and one was near this town, Sulmona. This is about 60 kilometers one from the other. So the contemporaneity of two seismic sequences. This is the seismicity as it grows during time. Nothing special. There's no large earthquake. These were all above three before the first of April. But what happened in the very 2 days before a meeting that we had in Sulmona, so the town more to the south with respect to L'Aquila, we had a 3.9. And this man is a technician, so it's not no trained people. He's a technician from the Astrophysical Society. He made a prediction of a large earthquake in that town. And he called the mayor of the town and says, a large earthquake is coming. So do something. And I remember that the mayor was completely in panic. He didn't know what to do. Do I have to evacuate? Do I have to ignore this guy? And there was a completely increasing panic of the local authorities. Luckily, in the afternoon, the same guy called back and says, no, I'm wrong, don't worry, there's not be an earthquake. This is also a prediction. Exactly one day, this is the 29th of March, the day after, we had a 4.0 in L'Aquila. And that was the main problem, because this lady, this is the head of the regional civil protection, made a press release that day that it says no earthquakes of any magnitude are predicted in L'Aquila. Anything else is false with no basis. And this, of course, was a message against this man. He said, please don't say anything because anything you say is false, has no basis. All right? So I think the problem was not what to do, but how to avoid that this man could talk and avoid panic. So the main problem was to avoid panic. Following this press release, we
We had the head of the civil protection. This is a powerful man from Italy. It's the head, ex-head of the civil protection. He decided to convene a meeting of the Commission against High Risk Commission, who convened the next day in L'Aquila. This is the composition of the people that were called in this meeting. So we have official of the civil protection, this one, who is after will be convicted, and this other two, this is the mayor of L'Aquila and so on. Scientist that belongs to the high risk committee, this board, and me, that I was a scientist, I did not belong to the committee anyway. And I had to provide only information on the scientific data. What we say in that meeting, the 31 of March, we just say that large earthquakes are not predictable in a deterministic way. Large events in the short term is unlike. And L'Aquila is one of the most hazardous areas in Italy, suggesting to increase prevention action. But, and this is something that happens around you and you don't know, but before the meeting, the head, the vice head of the civil protection made this interview, individual interview to the press, and said the scientific community continues to tell me that the situation is favorable because there is a discharge of energy. So this word was seen by him as a discharge of energy. And it suggests at the end to go and drink a glass of red wine. And this is a very bad communication he did to the press. And exactly for this interview, he has been convicted. There was also a press conference after the meeting. We didn't know. It was organized by the civil protection with some journalists. So the message came in the meeting was the one I said before, earthquake not predictable, and blah, blah. Why? What came in out from the media was the earthquake will not happen. An earthquake will not happen. The situation is normal, favorable. We have a very big problem to translate what we say to public and media. They want to simplify the message. If I say earthquakes are not predictable, the earthquake will not happen. Also, again, I think there's a lack of preparation. Also, the press before, after, I mean, the meeting, we found these articles, do not expect aftershocks of large magnitude. Or contradictory messages. The earth is still shaking, earthquake requests a state of emergency. Because it's true, the mayor after the meeting requests a state of emergency. Because he understands that the situation was had some problem because the buildings were not very good. So the mayor asked for the state of emergency. You should understand that this contradictory information is common everywhere, everywhere. With a colleague of mine, we look up in a lot of countries how the press is released after earthquake and so on. And we found, for example, this example. This is after magnitude 5, the Barcelonnette earthquake. And here again, there's some strange messages that no seismologist will agree. And I'm sure they didn't say that. It's the problem how you translate. Les spécialistes se vont rassurant. Les séismes de lundi soir n'annoncent pas forcément un plus grand. I'm sure nobody can agree with that. Because the problem is how journalists translate your message. Also, this is an interview. Oui, elles pouvant aller jusqu'à une magnitude de 4.5. It's strange that you can give a very deterministic number, 4.5, no larger than that. So it's a problem that we have a contradictory message out from what we say. Okay, just a few words on the trial, because, most of them said, so four scientists belong to this commission,
Two were of the civil protection, and one is the seismologist invited to report on the seismic work. Very fast, I should say, what is the logical consequence of the indictment? It's clear that when we drink alcohol and we have an accident and something happens, we are responsible. This chain is very, very clear. The chain is, I assure you, not for an earthquake, there will be not a large earthquake, and how is related to the fact that people died. And so this is explained as seeking causality, like an instigation to suicide. So I make an approximate assessment, okay? This lead to a reassuring message. What I hear from you is a reassuring message. So I don't leave home after a photo shock. So I change my habit, and this change of habit lead to death because the house fall down. Generally, I leave the house after an earthquake. You say that, no, don't worry. I stay in the house fall down. So you are responsible because you say, don't worry, okay? And so this is a psychic causality, and this is very dangerous because in the case of instigation to suicide, it is very clear, and it's a strong message. It's repeated with time. There's a mental approach to a person to instigate to suicide. We are talking about interview. This is very, very dangerous. And the main fact is what we mean for approximate risk assessment. Sorry. Because in the verdict, it is said that this poor risk analysis is not only limited to not considering one factor, but many factors, many several risk indicators. There were. This is from the verdict. The investigation allows to affirm with certainty that the earthquake was, on a line of the moment of guilty conduct, largely predictable, as demonstrated by seismic history of L'Aquila, that we know very well, and was contained in the hazard map, the peculiar time evolution of a sequence. And this is very strange, because I don't know what is the peculiarity of the swarm. There's no definition of peculiarity of the swarm. Hazard map, but this is where L'Aquila was inside the largest hazard of Italy, and the probabilistic studies from Boschi and Selvaggi. Boschi was another expert convicted. I've never wrote a paper on probabilistic studies, so I think this is a mistake. So this is the time evolution of the sequence. There's nothing strange. The meeting was exactly here before this, the 31 of March. In the month preceding, the seismicity was even decreasing in intensity. So peculiarity is dangerous when you introduce something that is not codified. Another thing is that the probabilistic studies by Boschi say that here in this region 34, this black one, the probability to have in the 5 years, in 20 years, in 100 years, an earthquake larger than 5.5 was equal to 1. So it was certain to have such an earthquake, and this came inside the trial. So the judge was referring to this, but he forgot to write what was in the paper, because while the small numbers of occurrence suggest prudence, one could also see this as indirect evidence of clustering. So that number came because the method they used was wrong, simply that. So when we write something in a paper, I think that that must remain in the paper and must not go inside some trials. Because in the paper you find everything, even someone who said that the methods was wrong, and he writes the methods wrong, but you can pick some sentences, something that it's good for your allegations, and you report only the sentence. In particular, what was incredible is the judge used this, because numbers are not in any language, are numbers, but as these,
was in English. English was not allowed in the trial, so he did not take the explanation. So you need a translation that must be, and so on and so on. So the text did not in the trial. Numbers, yes. I say that also because what we found out, that the main problem was the request of short-term prediction that the people need to have. Always from the allegations, from the verdict, we found this sentence in the causes, contributory causes, were all, what I showed before, the peculiarity, evolution of the time sequencing, and so on, seismic hazard map, all these were in the sphere of predictability of us. In particular, there was, and this is a request, the judgment of predictability in the short term of an earthquake with the same characteristic of that occurred the 6th of April. Not only, also the consequences of such an earthquake on the vulnerable and inadequate heritage site building. So the main problem in the trial was really the request of the prediction. I think this came out. And that's why after, I think, the second degree cleared anything, because this request, I think, was wrong. Let's come to the implication for Italy. First things, reducing vulnerability, not. Now nobody wants to take responsibility, is a problem. What we do in terms of research, I've seen a change, I'll tell you before. And let's say that it can happen again, for what I said. So, always from the verdict, the judge says that seismic risk reduction consists only, so the argument, sorry, that the activity of seismic risk reduction consists only in strengthening buildings and improving their ability to resist to earthquakes seems to be as obvious as useless, because it provides an indication that in practice is not feasible. The Italian municipalities require such a huge financial resources that is too effectively unavailable. It is not seriously feasible to reduce seismic risks by improving building standards. Of course, our scientific community reacts to this work because we think that reducing vulnerability in the long term is really the most important thing that we have to do. Okay, we can skip this one. For example, we knew 20 years before the earthquakes, this is a map of L'Aquila, and this was released during an important meeting for municipalities, that indicates all the vulnerable building in L'Aquila. We compare the damage after the earthquake, and it's clearly that this one were forecasting the damage. And these were given for the politicians, for the mayor, for the head of the regional, and so on. As I said before, so retrofitting saves lives. It's easy. I know in Istanbul they are doing a lot in this sense. They started and there we go on. So the message was very bad. The other message is that nobody now wants to take responsibility. So we have some problems. For example, I've seen once that school have been evacuated after 2.1 magnitude earthquake in two towns. We have something like 10,000 earthquakes. There are 2,000 earthquakes with magnitude larger than 2.5 each year in Italy. So it means that if you want to prevent problems in the trial, you don't have to take responsibility. So you evacuate school as soon as you have a 2.5, because someone can then tell you that you did not take into account the peculiar evolution of the time sequence and go to a trial. So for a 2.1, it was evacuated to school. Or, this means few time to explain, something that happened in northern Italy. We had a seismic sequence in Garfagnana, northern Tuscany. It's in a mountain, so it's a very cold region. It was the 25th of January. We had a 4.8. There was a sequence, aftershocks, and we had a 3.2, slightly offset with respect to the main region of the aftershocks. And we report this to civil protection, just saying that it was offset.
This report is transmitted from civil protection to the regional administration and to the municipalities. No? And as a final result, a mayor from the town of Garfagnana on Twitter, he just wrote, following the communication received from the Prime Minister's office, we suggest to leave your house and stay outside. To leave the house and to go where? Nobody knows. For how much time? Nobody knows. It was the 25th of January, and it happens that 60,000 people were in Lucca and surroundings, were warned. 3,500 were hosted for one night in buildings opened by the municipalities, like that, cold and schools like that. 500 people slept in the cart for one night. It was January, late January. It was very, very, very cold. And this, the head of civil protection, after the Laquila one, he said that this is the poisoned fruit of the Laquila verdict. And in fact, in a recent meeting with the jurist, they were very critical to the verdict, they suggest to increase caution, because false alarm is only a 6 month jail crime, not 6 years. So take your prevention. The other thing is research. Since some years, I think that in Italy, the request for prediction is also in the scientific paper. We are working a lot in the short-term forecast. We are coming out with the operational earthquake forecast, so that the probability in the short term of earthquakes. We are working a lot for precursors, and we are installing a lot of new multiparametric networks to detect radon and so on. So one effect of the Laquila trial is to move towards prediction, really prediction, because if you are looking for precursors, you're not working on probability of an earthquake. It's for deterministic prediction. And I think this is a consequence. I don't know if this is a good consequence. I don't think so. Anyway, it can happen again. Yes, because we have a vulnerable countries. We have dramatic inheritance from the past, a very high exposition. There's a lot of illegality in the buildings that we saw. And we lack of preparation and awareness. In this framework, what happened in Laquila seems a logical consequence of a lack of preparedness. And seismologists are the weakest actors in the chain of responsibilities, because they are the first ring of the chain. They did not tell me the earthquake was coming, so I have done nothing, civil protection says. Especially when the attention is moved to the short term. And this will be always, I mean, probably nothing will do anything before a swarm is occurring in a town, because people is feeling the earthquake, they are afraid, they don't know what to do, and we move our decision to the short term. So we must be prepared not to react in the short term, but to work before. Just finish with some point of discussion. As a scientist, I think we have to do with population and decision makers. Our message is, even now that more people live in risk areas and so on, the request the scientists, experts, say something about what happens, it's increasing. So we have to do with population issues maker. So we cannot decide to be involved or not. We will be involved. So there will be journalists who will ask what you think about that. So there's no choice, so we have to prepare. But I don't think we are very effective in communicating hazard. Sometimes we use wordings that are not really as different meaning with respect to other peoples. When we say normal seismic sequences, people say, okay, an earthquake will not occur because it's normal. Because I don't think we are expert in risk communication. And I think we have to increase our relation with social science to prepare to the next. What can we do? What can scientific research for society? I just indicate three things. For me, the main things is continue to make scientific research. We don't have to go to tools. I mean, prediction in a short term is a tool. I prefer to make this
last GPS image of Italy, we learn a lot of what's going on, as Pierre was showing this morning. We have to continue making research. But we have, at least in Italy, because Italy, the problem is important, so we have to contribute to education and preparedness. So we have earthquake every day, so we have to increase the education in Italy, and we have to contribute to emergency response. I mean, there's tools that are expected by society. So if I have, in the short term, the possibility to make early warnings, as there is an important project in the next stage 2020 call, or for example, shake maps that gives the picture of the damage of an earthquake. So I think this is our contribution to the society. And what to do to prevent legal action? Because the consequence is that maybe we can have, again, local actions. So I think we need protocols in which condition, the problem is in which condition of legal protection do we move? If you go to civil protection, politicians and so on, they know very well about protocols, how to move, what to say and so on. We are not trained on that. So I think we need protocols, and we have to know that there is no legal protection when we talk and when we go to meetings. Also because the physical causality and the assignment to a role, de facto, is a problem that came out after the trials. I mean, I did not belong to the commission, high-risk commission, but the judge said that, you are the commission. I decide that, because you were there. So you don't know even which is the role you go there. And another thing is that we need position papers for international community. I mean, it's very dangerous when a judge can pick from the scientific papers what he wants to find. While I think that our community should provide some a position paper, this the call in the States like that, position paper. So like, for example, the Commission for the Earthquake Prediction. So I think that there are a lot of people that still does not know if earthquakes are predictable or unpredictable. So I think the scientific community, as a state of the art, should say that, even for other things. Okay, that's I'm sorry, I've been rather fast. So, merci beaucoup pour votre attention. And this is the last picture of the prefecture that finally is restored, but I don't know if we'll resist the next earthquake. Thank you very much. D'abord, je voudrais remercier Pierre, toi et Imera de m'inviter et de m'accueillir. Et ma contribution va être du point de vue sciences sociales. Donc, on va sortir un peu du contexte de sismologie. Il est évident que chaque séisme est unique, mais certains ont une place particulière en raison de leur emplacement spatial et le temps où le séisme se produit. Donc, l'histoire de séisme nous fournit des exemples, comme le séisme de Lisbonne au XVIIIe siècle. Et le séisme de Marmara, j'ai dit les séismes de Marmara, parce qu'il y a eu deux séismes successifs. Et pour moi, comme événement un peu comparable dans le contexte de la Turquie. Et pourquoi Marmara? Comme je vous ai dit, c'est un point tournant dans l'histoire de sismicité du pays. Et du point de vue d'une rupture majeure, de fait de leur ampleur, non seulement sur le plan physique, mais aussi social, économique et politique. Et d'autre part, qui est annonciateur aussi d'un prochain séisme majeur qui affectera encore la même région et encore plus vulnérable, cette fois-ci, c'est Istanbul. Et donc, à la fois une crise, à la fois un catalyseur de changement dans les sociétés turques à propos de séisme. Donc, voilà pourquoi c'est important. Donc, mes cas ne sont pas aussi
belles que des sismologues, mais on voit que 91% des territoires turcs sont soumis au risque sismique à des différents degrés. Donc 50% de population turque vivent dans une zone à risque élevé. 73% de l'économie turque se trouve sur la faille active. 33 barrages, on peut ajouter des paramètres économiques là-dessus. Évidemment, les séismes de Marmara ne sont pas les premiers séismes dévastateurs du pays. Depuis le début du XXe siècle jusqu'au 1996, il y a eu 28 séismes de magnitude importante, dévastateurs. Donc 60 000 personnes sont morts, à peu près 100 000 bâtiments détruits. Et parmi ces séismes, surtout une douzaine qui ont de magnitude plus de 7, qui était important. Mais à partir de 1992, le séisme change un peu le caractère, c'est-à-dire le séisme de Erzincan à l'est de la faille anatolienne, qui est une des plus longues failles au monde, plus connue historiquement. Je crois que c'est 1400 km de longueur, si je ne me trompe pas. Donc en 1992, ce séisme est devenu une menace importante pour le milieu urbain. Donc on commence à s'organiser d'une manière plus accélérée. Et qu'est-ce que ça signifie la région de Marmara ? Tout d'abord, un quart de population vit dans cette région densément peuplée, urbanisée. Et la région a subi d'immigration suite à la politique d'industrialisation du pays à partir des années 60. Surtout l'investissement des grands établissements publics, comme les établissements d'énergie et d'autres, qui a engendré l'arrivée des autres installations industrielles. La région, seulement 4 départements qui sont affectés, sans Istanbul, ils produisent 7% du PIB national. Quand on ajoute Istanbul, le chiffre s'élève jusqu'à 30%. Et évidemment, 50% de produits industriels se produit encore dans cette région, et 80% d'énergie. Ce sont des chiffres de l'époque où le séisme se produit, il y a 15 ans. Et les deux séismes, dont le premier c'était 17 août, on a le bilan, on a les chiffres, mais il est quand même difficile de redresser un bilan qui reflète vraiment la situation sur le plan physique, dont les conséquences politiques et économiques étaient encore plus importantes. À peu près, c'est 20 000 morts, 50 000 blessés. Moi, ça me touche chaque fois quand on affiche un bilan et on ne s'arrête pas devant le blessé, parce que ces blessés-là, en général, sont des handicapés. Donc, c'est le poids sur le plan humain est très fort. Et plus de 300 000 bâtiments sont endommagés à différents degrés. Même évaluation des dégâts, c'est un débat qui est devenu un débat très polémique, donc qui était critiqué par plusieurs experts, plusieurs professionnels, parce qu'ils ont fait un dégât fort, moyen et léger. Donc c'était très peu significatif sur le plan de vulnérabilité, surtout entre les dégâts légers et dégâts moyens. Donc, avec Istanbul, c'était 7 départements ont été touchés. Une partie d'Istanbul, qui est la partie européenne, et la partie sud. Donc, à peu près 1 000 personnes qui sont mortes.
en ce qui concerne Istanbul. Et évidemment, le bilan a été lourd. On a évoqué le bilan officiel sur les dégâts, mais aussi sur le dysfonctionnement de la société. En fait, du point de vue sciences sociales, les séismes sont en quelque sorte comme des métaphores, ce qu'ils ont caché sous la terre, qui apparaissent avec le séisme, qui donnent des éléments. Et comment la société, comment le système fonctionne, quels sont des points de dysfonctionnement, comment on mobilise les individus. Donc, on utilise comme un élément de révélateur pour comprendre un peu la société. Les défaillances de la gestion du risque étaient la partie importante parce que qui a changé le rapport entre l'État et les citoyens. Et l'image de l'État jusqu'à ces séismes, c'était plutôt entre guillemets paternel et qui couvrait les dégâts, qui intervenait. C'est la première fois l'État, l'image est atrophiée pour la Turquie, pour plusieurs raisons. Les journalistes, ils ont annoncé le séisme avant que les hommes politiques. Le gouvernement était le dernier à être au courant. Et les gens, ils regardaient la télé, ils voyaient, pas que c'est des habitants d'Istanbul, mais en dehors. Tandis que les hommes politiques, ils étaient incapables de donner des éléments, des informations des premières heures. Et puis leur façon de gérer aussi, surtout on a vu qu'il y a vraiment un problème de préparation à tel événement. Et après c'est la gestion de la période d'urgence qui était extrêmement longue. Moi, je considère que la période d'urgence, c'est pendant toute la période où les gens, ils n'étaient pas chez eux, mais ils étaient dans le camp préfabriqué, qui était extrêmement long, un an et demi, parce qu'il a fallu héberger beaucoup de personnes. Toutes les décisions prises à ce moment-là ont eu des conséquences après, à tel point que quand on regarde les élections, les résultats des élections, pratiquement toutes les maires qui appartenaient de partis politiques divers ont perdu les élections suivantes. Donc le maire, en tant qu'administrateur local, qui était un des premiers responsables. Or, en réalité, qui avait très peu de pouvoir. C'est un événement qui a été important. On a dit, il a mis en évidence le prochain séisme pour Istanbul. Évidemment, nos connaissances à propos du séisme, c'est en général, on avance beaucoup a posteriori en analysant les situations. Donc, un premier chiffre affiché, c'était 65%. Il y a une probabilité d'avoir un séisme majeur 30 ans à venir. Donc cette information a diffusé médiatiquement à la population. Je vais vous montrer des cartes, qui sont des cartes récentes, qui montrent comment Istanbul est densément peuplé. Et ça, c'est le premier scénario qui a été fait après le séisme de 99 sur les différentes hypothèses. À peu près 60, s'il y a un séisme de 7, de l'échelle 7, il y aura de conséquences comme 60 000 bâtiments vont s'écrouler, 600 000 personnes qui vont être relogées en dehors de chez eux. Donc les scénarios se multiplient. Est-ce que on peut
poser la question, est-ce que vraiment il y a une prise de conscience juste après ? Et évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses après le séisme. Donc, il y a une mobilisation forte des autorités. Ce qu'il révélait, le séisme de 99, il y avait une lacune importante sur la connaissance de sismicité locale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a eu, on n'a pas pu recueillir les données, traiter les données et transformer en outil et utiliser pour réduire la vulnérabilité de parcs immobiliers. Je vais vous donner quelques exemples. En Turquie, il y a à peu près 20 millions de bâtiments et 65% sont des bâtiments illégaux. Le terme d'illégal, c'est très complexe, ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépasse le sujet d'aujourd'hui. Et pour Istanbul, ce chiffre-là, le moment de séisme de 99, c'est à peu près 800 000 bâtiments. Et aujourd'hui, 15 ans après, le chiffre s'élève à 1 300 000 bâtiments. Donc, à peu près, ça fait 50% de plus de bâtiments qu'on a. Donc, on a intensifié de quelque sorte les risques dans un mégapole comme Istanbul. Et quand on parle de données, de lacunes de données, on parle de quel type de données ? On parle de données pour le planificateur urbain, architecte et ingénieur. Parce que ce qu'il a relevé, le séisme de Marmara, et il y a deux points. Le premier point, il y avait un problème d'intégration de risques sismiques dans l'aménagement du territoire, dans la politique d'aménagement du territoire. Deuxième constat, c'est que toute la législation d'urbanisme, il n'y avait pas une connexion entre les législations concernant l'urbanisme avec la capacité des réponses institutionnelles, les législations pour gérer le risque, les catastrophes. Donc, les deux points de vue, deux constats étaient importants. Donc, du point de vue urbanisme, donc, il y avait des études qui manquaient. Par exemple, l'introduction des études géologiques, c'est très récent en Turquie, à partir des années 90. Donc, d'ailleurs, la municipalité d'Istanbul a créé un bureau en 1994 pour utiliser les données qui viennent de sciences de la Terre, des données de sciences de la Terre. Et les architectes aussi, qui ont besoin d'un certain type de données, viennent de sciences de la Terre. Et la formation des architectes est un point aussi important dans les réductions de la vulnérabilité, et parce que le constat de dégâts nous montre que les architectes connaissent très peu ou d'une manière pas approfondie le risque sismique qui domine la Turquie. Et donc, par exemple, il y a énormément de modifications de l'espace intérieur qui n'ont pas pris en compte par le travaux qui étaient faits par les architectes. Et quels étaient le problème de lacune sur la connaissance de sismicité locale? On peut grouper en trois parties. Le problème structurel qui est conditionné par le contexte économique et politique. Évidemment, il y a des institutions qui ont débuté avec la modernisation du pays. Je crois que 1928, il y a l'observatoire Kandilli qui a été créé. Donc, il y avait des démarches avant la guerre
mais qui a commencé effectivement à partir de 1928. Et à partir de 1970, et on voit qu'il y avait un problème de structure, c'est-à-dire toutes les l'infrastructure n'était pas renouvelée. Il y avait manque de moyens et ce n'était pas la priorité pour le pays. Et donc, il y avait très peu de. Il n'y avait pas vraiment un réseau national pour observer les phénomènes sismiques en Turquie. Avant le séisme, il y avait 80 stations sur plus de 9000 kilomètres carrés. Donc, quand on fait une comparaison avec le Japon, je crois que 600 quelques kilomètres carrés, il y avait à peu près 600 stations d'observation. Et ce qui, les stations existantes étaient très peu conformes aux standards internationaux. Donc c'était très, parfois il y avait des problèmes de conformité. Donc il y avait un gros problème d'observer les phénomènes sismiques. C'est organisationnel aussi parce que c'est lié à la problème de clarification de rôle entre des différents agents, États et universitaires et les institutions. Et il y avait rivalité entre les scientifiques. Et cette rivalité était très visible au moment du séisme, à tel point que l'État, pour empêcher, il a créé un comité des ingénieurs de séisme, de tous les spécialistes qui travaillent sur le sujet. Et même la création de ce comité a créé des polémiques. Tout ce qui sont exclus a commencé à critiquer le travail de ce comité. Et c'était stratégique aussi parce qu'il n'y avait pas vraiment, on ne peut pas vraiment parler d'une stratégie à long terme qui a empêché d'avoir de données et planifier les besoins de données à moyen à long terme. Et certains travaux qui étaient faits, en fait, les travaux étaient faits et pas institutionnellement, mais par les universitaires en utilisant leur propre réseau personnel. Et juste avant le séisme 99, il y avait vraiment une grande polémique en Turquie. Et le premier qui a commencé, un expert, mais on n'a jamais trouvé les traces. Après, cet expert, le nom d'expert revenait souvent dans les médias, qui parlait d'un séisme qui menaçait la région de Marmara, qui est un expert canadien, qui disait qu'au mois de juillet, il y aura un séisme. Donc il y a une forte mobilisation de journalistes sur place. Même l'observatoire, le président d'observatoire sismique a se déplacé pour convaincre la population. Donc il y avait déjà beaucoup de polémiques là-dessus. Il y avait une autre information qui était fortement spéculée et médiatisée. C'est une nouvelle qui mettait en lien avec l'éclipse totale solaire avec l'occurrence de séisme. Donc c'était le 15 août en Turquie, l'éclipse solaire. Et le séisme a eu lieu le 17 août. Donc ça crée un environnement très spéculatif le moment de séisme. Le parcours de côte parasismique nous montre des éléments importants aussi sur la sismicité, pas sur l'aspect technique, je suis incapable de montrer, mais sur l'accumulation du risque dans le milieu urbain. Et le moment jusqu'au 98, pendant 22 ans, il y a le même code parasismique qui est en rigueur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que toutes ces années-là, c'est le moment qu'on a construit plus en béton.
et dans le milieu urbain, et sans prendre en compte évidemment de beaucoup d'aspects techniques. Dans les années 90, il y avait des propositions pour changer le code parasismique, mais qui n'a pas pris en compte par les autorités. En ce moment, il y a c'est déjà préparé, et sur je crois que l'aspect technique sur la performance de bâtiment qui va être passé bientôt, qui est en cours de préparation. Mais le problème, il y avait ce problème technique, il y avait sur le terrain, il y avait un autre problème, les bâtiments, même s'ils étaient construits en respectant un code parasismique des années 70, qui aurait pu peut-être rester debout. Tous les travaux faits en matière d'une réduction du risque pour le pays peut être divisé en deux périodes. Et la première période, c'est juste après le séisme, jusqu'en 2007. On peut dire que c'est une période un peu chaotique, une période de transition. C'est là la période émergence de beaucoup de travail, beaucoup de projets, certains, une grande partie de caractère international. Et il y a divers acteurs qui sont impliqués dans ce projet, comme les municipalités, parfois les secteurs privés aussi. Et sur le terme de développement des outils, on n'a pas beaucoup d'outils développés et visibles à cette période-là. Évidemment, il s'est passé des choses importantes. Et moi, je prends que le contexte politique et économique est très déterminant dans la durabilité des efforts. Vraiment, si on peut parler d'une prise de conscience au niveau institutionnel, il y a eu une crise financière en 2001. C'est un deuxième effet, considéré un deuxième séisme que le pays a vécu, parce que le bilan était exactement le même, à peu près équivalent, c'est 20 milliards de dollars qui a coûté. Et juste après, il y a eu des élections, après les élections municipales. Qu'est-ce que ça signifie? À partir de la première période, c'est émergence de travail, mais à partir de deuxième mandat de parti AKP, c'est la confirmation d'une politique, d'une stratégie, et surtout sur le plan d'urbanisme en Turquie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais prendre deux exemples qui sont très significatifs. Une des lacunes qui montrait le degré de vulnérabilité en termes de connaissance sismicité, c'est le manque des cartes et microzonage, qui sont des outils nécessaires pour le planificateur, pour le décideur public, et pour gérer, et pour orienter l'occupation du sol. Donc, et il y a eu des projets de microzonage d'Istanbul, 2007 et 2009, ils ont fini le projet. Mais ce projet-là était fait juste une partie de la ville, c'est partie sud de la ville, c'est l'endroit où il y a les zones sismiques et plus importantes. Donc ça ne concerne pas toutes les villes. Une des critiques qu'on peut faire, la focalisation sur le risque sismique dans un mégapole comme Istanbul, le risque ne se produit jamais seul, et qui ne couvre pas toute la ville. Et un autre argument qu'on peut parler, c'est la création d'AFAD, qui est un organisme super puissant qui a été créé, un agent public, qui a la Turquie était très critiquée pour gérer la situation de crise,
Donc, une des conditions de crédit attribuées à la Turquie pour le redressement après le séisme, c'est créer une unité de l'État qui évite les problèmes de coordination entre les différents agents, entre les ministères. Donc, AFAD a été créé à cette époque-là. Le nom était différent, mais qui a pu fonctionner que dans la deuxième partie que je viens de vous évoquer. Aujourd'hui, AFAD, à la fois, il s'occupe de prévention, réduction des risques et intervention. Il y a trois tâches qui sont unies à une seule unité qui a des problèmes de priorité pour AFAD, parce que l'intervention passe toujours avant la réduction du risque. D'autres dispositifs importants, c'est une promulgation d'une loi transformation urbaine des zones soumises à des risques de catastrophe. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'était renouveler et renforcer le parc immobilier existant pour Istanbul. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de chiffres. Le chiffre était 800 000 bâtiments, 70% pour Istanbul qui étaient illégaux, qu'ils étaient sur les zones fragiles. Et donc, il faut transformer, il faut détruire et refaire. Tout le monde était d'accord, tous les acteurs de la société qui étaient, il y avait un consensus sur la nécessité d'appliquer de cette loi. Mais en pratique, donc on parle d'une ville, on ne parle pas d'une ville, on parle d'un mégapole qui a beaucoup de problèmes d'autres que le séisme. Et comment on va faire? Donc, le fait que la manière de faire, pas l'idée, mais la manière de faire, et fait croire que le gouvernement utilisait le séisme comme un argument pour un consensus social. Le but, la finalité, c'était autre chose. Donc, même si c'est parasismique, ça ne satisfaisait pas les individus. Donc, il y a eu énormément de problèmes juridiques, sociaux, juridiques, parce que dans certains quartiers, le travail n'avançait pas aussi vite. Surtout, ce sont des quartiers où les risques sont plus élevés que l'autre. Cet argument de critique a été prouvé en montrant, en comparant différents quartiers. Certains quartiers où les risques sont plus élevés, ils se transforment beaucoup moins vite que les autres quartiers. Le risque sismique n'est pas priorité. Donc, c'est plutôt spéculation qui était et moteur. Et il faut prendre en compte que pour Istanbul, il y a eu aussi de très gros projets de PTP, de pharaoniques de projets. Et donc, construire un troisième pont, faire un réseau de métro 800 km, etc. Et donc, c'était impossible d'arrêter et d'empêcher les spéculations en termes d'immobilier en Turquie. Et je vais faire, si on résume qu'est-ce qui s'est passé, on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts des autorités publiques. Il y avait une volonté publique, il y avait une volonté politique était là. Il y avait des moyens économiques étaient là. Mais le troisième paramètre, le consensus social, qui est un paramètre très important et qui n'a pas pris en compte,
c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on entend le consensus social? On parle de participation de la population. Donc tout le monde est d'accord que la population locale doit participer à tout le processus de décision sur la politique d'urbanisation. Mais l'information pour faire participer à la population était cruciale. Donc on peut dire que l'information médiatique des hypothèses des scientifiques a décrédibilisé à la fois les scientifiques, à la fois les recherches scientifiques. Donc il y avait en quelque sorte une routinisation des risques. Je ne vais pas dire déni, mais le risque devient un peu routine. D'autre part, la population est demandeur des informations. Ils ont, surtout aujourd'hui, on a tellement de moyens, tellement de connexions, c'est impossible d'empêcher que la population demande une information. Nos connaissances, tout ce qu'on sait, c'est beaucoup moins que tout ce qu'on ne sait pas. On parle de domaine de séisme. D'autre part, il faut alimenter à cet besoin. Mais je pense que c'est la focalisation sur l'aléa qui est un des problèmes là-dessus. Construire quelque chose parasismique, c'est bien, mais si la manière de faire, les gens ne sont pas d'accord, comment on va faire? Et puis si on n'arrive pas à fournir des informations ailleurs, les informations se produisent elles-mêmes, ce qui est le cas en ce moment en Turquie. On parle de quelque chose complètement irrationnel. On parle beaucoup de séisme artificiel au lieu de parler de séisme, la vulnérabilité. Et même on commence à revoir ce qui s'est passé en 1999. On pense qu'ils nous ont caché des données, qu'il y avait d'autres choses, il y avait des essais quelque part. Donc il y a beaucoup de spéculation. C'est un sujet qui est très propice à tout type de manipulation et tout type de spéculation. Donc, non, mais comme un peu la théorie de complot, et ce genre de discours est très, très conditionné par le contexte actuel. Par exemple, si aujourd'hui le séisme pose un problème pour les autorités, parce qu'il peut causer aussi d'autres problèmes en dehors du domaine de physique. Et tout à l'heure, on a parlé de hiérarchiser les priorités. Et chacun évalue les risques, les autorités, les individus. Et chacun voit, chaque acteur voit en fonction de leur degré d'affectibilité. Donc pour les individus, qu'est-ce que ça signifie? À quel point je vais être affecté par cet événement? C'est ça que dans la communication, je pense, il faut appuyer là-dessus, le degré d'affectibilité, parce qu'on a en fait très peu de choses à dire au public du point de vue scientifique. Entre les scientifiques, oui, on peut discuter de plein d'arguments, etc. Mais pour le public, on a, en appuyant sur la vulnérabilité, leur degré d'affectibilité, on a des choses à dire. Et le séisme, ce n'est pas le seul facteur dans la mégapole d'Istanbul. En Italie, au Japon, c'est différent, mais ici, on parle d'une ville qui a d'autres problèmes d'urbanisme. Il y a le trafic, même le système d'alerte précoce, c'est très bien, mais même on sait aujourd'hui qu'il y a un mois, il y a un séisme, même on arrive à dire dans un mois, il y aura un séisme, peut-être il vaut mieux de ne pas savoir. Et quelle
chaos, vous allez gérer. Donc c'est ça qui est important. Et il y a, je n'ai pas mis, en fait ce n'est pas une bonne bonne diapo, mais il y a aussi un autre système qu'ils ont mis en place, ça s'appelle DASC, c'est l'assurance de séisme. Normalement pour responsabiliser les individus pour prendre en compte de risques et partage des risques, mais en réalité comment c'est fait, et c'était juste l'idée derrière, c'est couvrir les impacts financiers de séismes qu'il peut avoir, parce que jusqu'au 99 l'État qui reconstruisait des bâtiments après le séisme. Donc, un peu cette décharge de l'État en termes. Donc, on a parlé beaucoup de responsabilisation tout à l'heure. Responsabiliser qui, comment. Et c'est un outil important, l'assurance, pour responsabiliser. Donc, on a beaucoup parlé de responsabiliser des ingénieurs de construction, parce que c'est eux qui faisaient le contrôle des chantiers. Mais ça n'a jamais accepté parce que c'est un domaine, le logement, c'est un moteur de l'économie du pays. Il faut souligner aussi, en 2001, il y avait une crise énorme. Donc la Turquie était au niveau de signer un moratoire avec FMI. 2014 est devenu contributeur à l'FMI. Donc il y a un taux de croissance énorme à partir de 2002, 7% annuel par an, donc l'économie était très effervescente. À mon sens, c'est la focalisation sur la parasismicité et sur l'aléa pour les individus. Il y a moins de significatif que parler de leur degré d'affectation et leur responsabilité. Je m'arrête peut-être là. Je ne sais pas, il est quelle heure. Et peut-être il faut poser question, si ce n'était pas Istanbul, qu'est-ce que ça aurait pu être? Est-ce qu'il y aura autant de changements? La question, c'est en Turquie, on est libre de respecter les règles parasismiques ou non? C'est-à-dire, on construit comme on veut, il n'y a pas de... Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est un pour ça que c'est un problème social. L'accumulation de risques dans le milieu urbain, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème social. Donc, il a fallu construire très vite, en très peu de temps, en répondant à un besoin de logement. C'était dans les années 70, il y a une forte migration vers les régions développées. Donc, ils ont trouvé une solution, ça s'appelle le constructeur-promoteur. Le promoteur venait, qu'il construisait en échange des appartements avec les individus. Après, c'est toléré, qui est utilisé, manipulé par les hommes politiques. Il y a eu des amnesties jusqu'en 92. La dernière amnestie, c'était 92. Légaliser les bâtiments. Pour ça que tout à l'heure, quand je parle d'illégal, illégal, ça veut dire beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont construit en cachette. Par exemple, illégal, il prend la titre de construction, licence de construction. Il prend une fois, il prend. Après, il modifie, mais ils n'ont pas de permis d'habiter. Il y a tout un type de... C'est très, très complexe, l'analyse de vulnérabilité du parc immobilier à Istanbul. Parasismique. Maintenant, à partir de 98, c'est parasismique. Oui. Ouais. Et il y a des contrôles. Et en fait, la définition zone, par exemple, par la loi, excusez-moi, ce sont des décisions techniques, mais n'est pas prise en compte. Aussi politique, à quel quartier vous allez commencer d'abord, ce ne sont pas des scientifiques qui décident. Ce sont des hommes politiques qui décident. Donc, c'est un outil à la fois très politique, plus technique. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure dans une diaporama les planificateurs, les architectes et les ingénieurs. Mm-hmm. Il ne manquerait pas un autre acteur de la... Ça, c'est pour les données de sciences de la Terre, qui étaient en lacune en Turquie. De l'autre côté, est-ce qu'il ne manquerait pas les entreprises? Aujourd'hui, est-ce que les entreprises, quels
Les entreprises de construction. Oui, oui, mais ce n'est pas les entreprises de construction qui construisent en Turquie. Jusqu'à 1999, j'ai parlé de cette, comment dire, cette solution pragmatique. Les parcelles étaient petites. Il y avait un promoteur, il y avait un échange avec le promoteur. Il y avait de gros projets. Par exemple, à partir de 1999, l'État devient un grand promoteur, Toki, qui construisait beaucoup en Turquie, des grands et très uniformes. Des grands buildings, et ils faisaient ça. Mais au niveau individuel, ça, avant 1999, ce n'était pas des grandes entreprises qui. Il n'y avait pas. C'était les conditions économiques qui ne permettaient pas de faire des grandes constructions en grande quantité. Quelle est la population de la mégapole d'Istanbul aujourd'hui ? Une question très difficile à répondre. Mais oui, et officiellement, à peu près 15 millions d'habitants, 14 millions, mais on sait que c'est beaucoup plus que ça. Il y a des estimations à 18 millions d'habitants. Et puis, c'est. Qu'est-ce que c'était en 2001, quand il y avait le 30 ans? La population. C'était je ne me rappelle pas les dates de recensement public, à cette époque-là. C'était vers 10 millions, je pense. Je pense que c'était moins de 10 millions. Oui. Donc ça a pratiquement doublé depuis cette date-là. Et doublé et étalé. Avec grand projet d'en construction que je vous ai parlé, il faut prendre en compte comment des quartiers se développaient très vite en dehors d'Istanbul. Et évidemment, je vous ai parlé très, très globalement, sans entrer en détail, et je n'ai pas parlé des grands projets de formation, sensibilisation de population, surtout des municipalités d'Istanbul qui étaient élues, et ils ont des projets, ISMEP par exemple, vous pouvez regarder, c'est en anglais aussi sur le site web. Oui, il y a quantitativement, il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de données. Il y a aussi dans les écoles, dans les entreprises, il y a beaucoup de données. Il y a aussi des plans stratégiques de séisme, le plan master d'Istanbul. Il y a énormément de travail publié. Mais en pratique, comment ça va se produire? Et ça, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas envie de dire on verra. Et puis, c'est toujours, il ne faut pas, en tant que quelqu'un de l'extérieur de sciences sociales, et on ne raisonne jamais en fonction d'un risque. N'oubliez pas ce qui s'est passé il y a un an, qui était quelque chose d'inimaginable pour les habitants d'Istanbul. On sait que tout peut se produire. En ce moment-là même, ce genre d'événements sont interactions. Je parle pas de coup d'État, mais il y a un an. Et à propos de purement sur le séisme, oui, il y a des études, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Mais je disais, la manière de faire,
qui compte. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Travailler avec les enfants, c'est très bien. Former, ils savent cacher, etc. Mais ça, c'est très peu significatif parce que la décision est prise à la maison. Ce n'est pas les enfants qui décident, c'est la famille qui décide. Moi, j'ai fait une formation à l'école pour les enfants. Les enfants savaient plus que moi sur le séisme, qu'ils sont capables de faire des dessins, tout sortait. Mais après, je demandais, et votre chambre, comment ça s'est passé? Et ma mère... Et donc, la décision n'est pas prise à l'échelle de l'enfant. Mais le contexte local, là où il y a une importance, et au Japon c'est différent parce que les bâtiments ne sont pas sismiques, mais en Turquie c'est encore différent parce qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent. Donc les caractéristiques locales sont très complexes. Il y a un mois, il y a eu la pluie, et la ville était complètement... inondé, donc ça provoquait aussi des paniques. On parle de vraiment une très grande métropole. Je ne sais pas, peut-être on peut comparer, on ne peut pas comparer ni Tokyo ni ailleurs. On peut comparer avec Téhéran, avec Caire. C'est le même processus d'accumulation du risque dans le milieu urbain. Donc, avec Mexico. Oui. Philippe. Tu as dit qu'en 99, c'était découlé aussi le mythe de l'État turc paternaliste et qui serait bon. Il n'y a pas de raison. 15 ans après, ou autre, est-ce que tu as pu mesurer? Donc ça veut dire que normalement, la résilience de la société doit se développer. Est-ce que tu as pu mesurer un petit peu le développement de cette résilience sociétale à travers la création d'associations? Si elle est dépassée, l'État intervient. Si l'État est dépassé, c'est l'État fédéral qui est intervenu. Parce que les Français n'ont pas compris si c'était passé à la Nouvelle-Orléans. Donc, est-ce que tu as pu mesurer un petit peu ce développement de la résilience? Mesurer, non, mais je peux dire que c'est ça qui est aussi un problème, le côté intervention, focalisation sur l'aspect urgence. C'est vraiment très mis en avant au sein des créations des organismes de l'État, même quand ils parlent de réduction du risque. Faire une agence qui regroupe trois tâches très différentes, et évidemment, c'est le côté plus visible qui passe en avant. Donc, c'est évidemment. En ce moment, oui, il y a une société civile très bien organisée, mais qui n'est pas suffisante. Par exemple, il y a à peu près, même ils ont passé des lois tout à fait intéressantes parce que toutes les entreprises qui ont des effectifs plus de 50, ils sont obligés d'avoir une équipe de sauvetage et de développement.
et toutes les cités qui ont plus de 200 personnes, qui ont obligé d'avoir une équipe de sauvetage et d'éblement. Et le cours de la formation de sécurisme, entre autres. Donc, oui, il y a le côté visible, c'est sauver les gens. Mais ce qui est plus intéressant, on n'arrive pas à ce moment-là où on doit avoir les paroles sur la politique d'urbanisation. C'est ça, je disais. Quand vous parlez de séisme, on évolue en Turquie tous les 50 ans. J'ai la chance, une fois dans ma vie, vivre un séisme majeur. Les calculs, c'est fait comme ça. Le risque économique, le quotidien que j'ai, c'est autre chose. Il faut que j'habiter dans un logement, ça coûte cher. Donc, on évalue chaque instant, on hiérarchise le risque chaque instant. Tout le monde fait ça. L'État fait la même chose. Quel est le risque, évidemment, pour 20 ans ça entrait maintenant dans la planification de l'État en Turquie. Et à partir du moment qu'il y a une signification économique, maintenant, c'est sécuritaire. Il y a deux arguments qui sont ajoutés au cours de temps. Mais si le séisme seul, si ce n'était pas Istanbul, d'une part, ça aurait été plus facile parce que planifier le milieu urbain était facile. D'autre part, peut-être il ne mobiliserait pas autant d'organismes, autant des acteurs. Istanbul était compliqué. Et à la fois, c'est intéressant. Mais je pense que le séisme seul, en tant que risque, n'existe pas pour le contexte en Turquie. Maintenant, il y a, même pour le Japon, j'y dirais, à partir du moment où il y a une signification économique qui peut menacer le pays. Maintenant, dans la situation de guerre, je pense que la sécurité, qui est aussi, parce que c'est une rupture de l'ordre social. Donc, à partir du moment-là, on prend en compte. Mais au niveau de société civile, je peux dire qu'on est mieux que 99, si c'est ça la question. Mais en ce qui concerne les sites, plutôt les sauvetages et développement.